Et salut à tous, c'est Gilles d'un kilomètre à pied. Aujourd'hui, on est à un quart d'heure de Lyon, dans les Monts d'Or, donc juste en dessus de Lyon. Les Monts d'Or, vous avez plein de chemins. Je vous conseille vivement de randonner en regardant sur votre téléphone à la carte. Ça sera le plus simple parce que des randos, il en existe quelques-unes. Hein, sinon, si vous voulez les suivre, mais ça ne sera pas évident avec les indications, tourner à droite à gauche parce qu'il y a beaucoup de chemins. Donc, privilégiez d'avoir un tracé sur smartphone. Et après à adapter en fonction de vos envies, si vous voulez continuer ou pas. On peut faire beaucoup de kilomètres, vous pouvez faire 20 km si vous voulez dans les Monts d'Or, il n'y a pas de problème. Là aujourd'hui on fait une petite balade qui est très bien pour se mettre à la randonnée ou s'aérer comme ça en fin de journée ou le week-end, entre 5 et 7 km. C'est parti! Voilà, ça fait 30 minutes qu'on marche. On a traversé une petite forêt bien automnale. Et là, on arrive sur un beau point de vue avec tout limonée, écully d'ardillé derrière là-bas. Voilà, et à cet endroit-là, il y a une petite zone où vous pouvez rester le soir, l'été, faire un petit pique-nique du soir qui est assez sympa. Allez, on continue! Sur la descente, sur votre gauche, vous avez un petit endroit sympa avec des sapins. C'est un endroit qui peut être sympa pour s'arrêter avec les enfants parce qu'il y a des petites cabanes qui sont construites un peu plus haut, etc. Et puis c'est une autre ambiance aussi de par la végétation. C'est assez sympa de faire ce petit crochet. Si vous êtes dans la montée, ben vous prenez à droite. Si vous êtes dans la descente, comme nous là on a fait, faut tourner sur la gauche. S'il y a bien une rando à faire dans les Monts d'Or avec des enfants, c'est celle-là. Cet été, il y a des centres aérés qui ont construit plein de petites choses sympas. Donc là vous venez, vous pouvez rester 2 heures ici. Les enfants vont s'amuser, il y a des cabanes de partout. Fini la descente après une petite heure de rando. En remontant, là on est sur le chemin où il y a beaucoup de cabornes. La première, c'est celle de Joseph. Donc, c'est des cabornes qui sont restaurées par une association locale petit à petit. C'est à l'époque, je sais plus, mais il y en avait des centaines. Et là, il y en a quelques dizaines de restaurées. Voilà, petite cabane en pierre dorée. Allez, on continue.
on a passé les Cabornes et là on arrive sur un large champ où certains font des petits barbecues le soir. Il y en a même qui doivent peut-être dormir à la belle étoile ici, avec une superbe vue sur Lyon là-bas au fond. Ouais, c'est pas mal brumeux, c'est une belle ambiance. Et tout au fond, je sais pas si on verra bien, mais il y a les Alpes là-bas. Alors, voilà, on arrive au terme de cette petite randonnée qui fait à peu près 5 km. Après, vous avez pas mal de petits détours possibles au niveau des chemins, il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas à consulter la carte. Parce que là, c'est le genre d'endroit, il y a tellement de chemins de partout que si vous vous fiez à des trucs tournés à droite au bout de 500 mètres, vous allez vous perdre. Donc prenez une carte, vous naviguez à carte sur le téléphone, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Il n'y a pas de grosses difficultés de toute façon au niveau des chemins, donc n'importe lequel sera bien. Vous avez des beaux paysages à l'automne, il y a pas mal d'endroits pour les enfants, c'est vraiment un petit rando familial. Plus important, c'est ben, il faut pas forcément aller loin de la ville de Lyon pour voir des choses sympas. Là, en 15 minutes depuis Lyon, vous pouvez vous garer et aller dans les Monts d'Or. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Merci. Bye bye. Petit bonus de cet endroit pour les randos, une fois que vous revenez, je vous conseille ce restaurant. Raclette, pierrade, barbecue, tout ça.